parle. Je veux parler uniquement. Elle me faisait écouter les enregistrements qu'elle a eu avec la femme qui l'a donné 1500 euros dans qu'elle demande pour sa maison. Parce que moi, j'ai tout de ce que que les gens parlent avec la veuve. La veuve, quand la veuve parle avec les gens, c'est moi qu'elle appelle en première pour dire Eva, passe-moi voir. Écoute aussi ça. Dis-moi ce que tu en penses. Eva, même quand elle parle, elle appelle les gens ou que les gens l'appellent. Elle me dit, Eva, enregistre parce qu'on ne sait jamais. Elle parle. Elle s'amuse que là où elle a gardé tous ses secrets. Elle s'amuse encore à jeter les cailloux dans ce sens-là. Parce qu'un jour, ma bouteille là va s'exploser. Et je veux vous faire asseoir pendant au moins un mois. Parce que c'est long, c'est beaucoup, c'est énorme. Voilà. N'est-ce pas le soir du mercredi soir, que tu nous appelles là, on est en train de faire la fête avec elle. Est-ce que c'est moi qui est en train de parler? C'est toi et elle que vous étiez en train de parler. Tu lui donnais des conseils dans le sens. Le 16 au soir. Tu lui disais que, Wario, s'il te plaît, moi j'aime vous voir comment tu es avec ta soeur Eva. Eva, moi je connais Eva depuis. Hein. Elle t'a même dit que non. Elle ne voulait même pas comprendre quand tu disais que tu es ma personne depuis. Elle t'a dit que tu ne parles plus jamais de moi. Elle t'a dit ça, n'est-ce pas vrai ou faux? Oui, que laisse-tu ne pas parler, je me suis tu. Voilà. Elle t'a dit le 16 au soir, ne parle plus jamais d'Eva. Je ne n'aime pas quand tu parles d'Eva. Et puis tu lui as dit, mais attends. Elle m'a dit de ne plus jamais prononcer ton nom dans mes directs. Voilà. Et je lui ai dit que maintenant, je ne vais pas prononcer ton nom dans mes directs, c'est ma copine aussi. Voilà. Et tu lui as dit que, mais. Ce n'est pas toi-même qui as amené Eva dans les réseaux sociaux. Voilà comment l'histoire commence. Et c'est là où elle te dit que non, je ne sais pas où tu vas aller là. Parce que la veuve, dès qu'on veut parler du problème qui s'est passé entre elle et moi, elle change. Elle est mal à l'aise. Toi-même, tu as vu comment elle était mal à l'aise. Est-ce que je suis entrée là-dedans? Je ne suis pas entrée là-dedans. Vous étiez en train de débattre tous les deux. Moi, j'étais même là, j'avais même du mal à parler. Moi, j'étais dans mes jambes parce que moi, je m'en bats les couilles. Enfin, bref, façon de parler, sorry. Donc, un moment, et c'est pour ça que le lendemain, après que vous ayez parlé ça le soir, la veille au soir, moi le lendemain, on n'était plus dans l'effet de l'alcool, on n'était plus dans le fait d'un pardon, on était lucide. C'est alors pour ça. Et il y avait le problème de loin, enfin bref, on ne va pas entrer dans ce genre de détails, ça n'intéresse personne. On s'en fout de ça. C'est que des détails sans importance. Donc, à un moment donné, je vois que quand ma soeur s'est réveillée le matin, elle n'était pas bien. Elle était bleue. Elle, déjà, mais avec son front qui a déjà les aînés qui n'ont l'eau qui coule partout. Parle seulement des choses. Ah, quand je m'en fous, je parle comme je veux. Donc, désolé. Donc, je serai, mais bon, fini, après, quand voilà. Donc, pour dire, quand à un moment donné, vous remontez, je lui demande, bon, ma soeur, je veux maintenant qu'on parle. Parce que hier soir, vous avez parlé. Tu demandes à Waris, à Balata, de ne plus jamais prononcer mon nom dans les directs. Alors que c'est toi. Tu es la première de mes amis proches, intimes, que je considérais. Tu m'as amené dans les directs. Tu m'as exposé dans les directs. Alors, si tu veux maintenant, ça tombe bien. On est chez Balata. On est dans un terrain neutre. Maintenant, alors, on est lucide. J'aimerais qu'on parle maintenant. Et Balata est témoin, Jean Katika. N'est-ce pas? Voilà donc ma soeur qui s'énerve. Elle s'énerve. Elle dit, tu vas alors commencer à dire quoi là maintenant? Pourquoi tu veux parler de ça maintenant? Laisse-moi la parler de ça hier soir. J'ai dit que non. Tu appelles Flore. Comment? Hein? Non, je dis à Flore parce que c'est pas la grande marginale qui fait que tu ne dépasses. Elle ne dépasse. Arrêtez de dire tout que le ne dépasse. C'est quoi? J'avais rien à foutre, je consomme et alors. Donc, j'ai donc dit, la veuve. C'est le moment qu'on doit en parler parce que depuis que toi et moi on a eu ces problèmes. Depuis qu'on s'est retrouvés, on n'a jamais eu le temps de parler de ça. La veuve et moi, on s'est jamais assis pour parler de ça. Si je mens, qu'elle vient. Qu'elle vient me dire à quel moment et où on s'est assis pour parler de ça. La veuve et moi, on n'a jamais parlé. Même des anciens vieux problèmes, la veuve et moi, on n'a jamais parlé. La seule chose qu'elle a toujours dit, elle m'a toujours promis que Eva, je suis désolée, plus jamais je t'amènerai plus dans les réseaux sociaux. Mais ça s'est refait après. Eva, je suis désolée, je te ramènerai plus dans les réseaux sociaux. Mais la dernière fois-ci qu'elle m'a emmené. Est-ce que par exemple. Je suis dans le 9 décembre, j'y serai. Je serai à la soirée de Gankam, Flore. J'y serai. J'y serai, ça c'est sûr et certain. Tu sais, moi, je ne dis pas les choses en l'air. Je viendrai, on sera ensemble, il n'y a pas de souci. J'y serai. Présentement, Eva Somon. Hard. N'oubliez pas le hard. Donc. Mettez le grec déjà. J'ai envie d'être à la soirée là. Ah!
Donc, la veuve, écoute-moi, Waris, laisse-moi finir, c'est quoi? Waris, voilà. N'est-ce pas, quand je demande à ma soeur que asseyons-nous pour parler, parce que là, c'est peut-être l'occasion, parce que vous deux, vous avez parlé de moi, devant moi hier, je n'ai rien dit, on était dans les alcools. Tu connais comment je fonctionne, moi, je ne parle jamais des choses quand je suis dans les états. Je préfère être lucide, parce que je n'ai pas envie qu'on dise demain ou après-demain, ouais, c'est parce qu'on était dans les alcools. Moi, je ne prends pas pour responsable l'alcool ou le reste. Voilà. Donc, j'ai dit à ma soeur qu'on s'assoit. Ma soeur s'énerve. Elle prend son sac, elle part. C'est pour ça que quand elle prend son sac pour partir, c'est pour ça que je l'ai traité de lâche. J'ai dit que tu es très fort pour aller t'asseoir derrière ton écran pour me clasher. Mais maintenant que tu es devant moi, elle dit non, parce que je sais comment ça va se terminer. J'ai dit ça va se terminer comment? Tu t'assois. Donc, votre force là, c'est juste devant l'écran. C'est ce que moi, je finis toujours avec toi que face à face. Ou quand on parle souvent. Ouais, mais pourquoi tu ne veux pas t'asseoir pour qu'on discute? Parce que c'est quand même quelque chose. Tu as atteint ma vie. Tu as parlé de moi. Tu parles de mes enfants. Tu parles de mon ex. Tu parles de ma vie. Tu parles de maison. Maintenant, on va parler dans l'histoire de maison, si tu veux. Parce que c'est toi qui me fais venir. Je ne suis jamais venue de moi-même. Elle a eu un AVC. C'est comme ça qu'elle demande à tout le monde de me chercher, de venir être avec elle. C'est comme ça que j'arrive chez elle et je lui paye son loyer. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est où le problème? On ne peut même plus vous aider ici dehors. Parce que par rapport aux réseaux sociaux, bon. On ne peut pas parler du réveil de la main. Parler du réveil de la main. Tout l'aide que quelqu'un t'a amené. Vous n'avez pas idée de l'aide que j'ai amenée à cette fille. Mais moi, je suis jamais venue dans les réseaux sociaux relater tout ça. Jamais. Mais là même, je ne suis même pas dans ma position parce que ça me fait chier de m'asseoir là et de parler de ça. Parce que c'est quelqu'un que, malgré tout, j'ai toujours dit que malgré ce que la veuve me fera toute ma vie, malgré tout ce qu'elle va me faire dans ma vie, je lui pardonnerai toujours. Il y a des gens comme ça. C'est ma croix. Elle le sait. J'ai même interdit que personne ne porte main à la veuve là où je suis. Elle le sait. Même autour de moi, on sait comment je suis. Et quand je dis que personne... Que la veuve fasse n'importe quoi, mais personne ne se permettra de porter. Personne n'a jamais touché la veuve là où je suis. Même nos amis qu'on a en commun. Parce que porter main à la veuve, c'est me porter la main aussi. Non, ça, c'est moi, bien ça. Quoi que la veuve me ferait, quoi qu'elle me fasse, hein, jamais, je dis bien jamais, je ne viendrai dans les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, on a tous un cœur. On a aussi des sentiments. On a de l'ego. À un moment donné, ça suffit. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette fille, au fait? Vous lui avez posé la question? Qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi autant d'acharnement? Si je t'amène pas chez moi, c'est parce que je sais qui tu es. Tu es que tu arrives chez quelqu'un. Que Eva, comme tu as dit qu'elle a oui. Le goût, que tu l'amènes pas chez elle, mais il faut aussi savoir que des fois, ça fait mal qu'une personne vienne toujours chez toi. Mais la raison, c'est pourquoi? La veuve vivait chez moi comme elle vivait chez elle. La veuve était chez moi comme elle vivait chez elle. Mais pourquoi ça a changé? Qui a permis que ça change? Ce n'est pas moi, c'est elle. Bon, grosso modo, vous deux là, vous vous aimez bien. Les anciennes copines d'Aqua, ça va s'arrêter. Mais moi, je n'ai pas la haine. Ça n'a pas rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Aqua. Parce que quand vous voulez aussi extrapoler, quand vous voulez extrapoler, vous mettez les Aqua, vous mettez le devant moi. Ça ne m'atteint pas. Non, non, Eva, c'est pour dire que vous êtes une vieille amitié. Tu as dit 30 ans, non? Bah, oui. Je dis, n'est-ce pas, malgré tout ce que la veuve m'a toujours fait, vous m'avez toujours vu avec elle. Oui, c'est vrai. Est-ce que j'ai besoin de venir étaler ça dans les réseaux sociaux? C'est la vie, c'est la veuve qui vit selon les réseaux sociaux. Moi, je vis selon le côté humain, le côté palpable, le côté face-to-face. Le côté, voilà, on se voit. Si nos enfants ont des anniversaires, on est là. Si un enfant a un problème, on est là. Parce qu'on est, des amis. Moi, je suis dans la réalité, frère. Moi, je suis dans la réalité. Moi, je suis pas dans le virtuel. Parce que dans le virtuel, ça finit. Parce que quand c'est fini dans le virtuel, les gens n'ont plus de vie après. Mais moi, j'ai une vie. Je viens me balader dans les réseaux sociaux. Et puis, chacun son combat. Moi, chacun son territoire ou son, ou je ne sais pas quoi d'autre. Voilà. Donc, je voulais juste te dire, il n'y a pas eu une espèce de guet-apens ici. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. À aucun moment. C'est la veuve, j'ai voulu parler, elle s'est énervée, elle est partie. Parce que la veuve est toujours mal à l'aise auprès de moi, depuis ce qu'elle m'a fait chez elle, que vous connaissez tous, quand elle a viré mes affaires, alors que c'était même ses propres affaires à elle, mais juste pour faire du spectacle, voilà. Donc, moi, posez-lui la question. Pourquoi est-ce qu'elle m'en fait? Je ne l'amène pas chez moi parce que
Parce que je la connais. Quand tu connais quelqu'un, pourquoi tu veux t'amuser encore à aller de lui donner de quoi te fouetter avec? Mais attends, vous me prenez pour qui là? Mais à l'époque, oui, tu m'as quand même monté les photos de toi et la courbevoie, non? Mais mon frère, je t'ai dit que chez la veuve, c'était chez moi. Chez moi, c'était chez la veuve. Nos enfants, c'est-à-dire, ces enfants venaient dormir chez moi, mais les miens, mais attends, je ne veux même pas entrer dans ce détail-là. C'est vous, okay. C'est vous qui extrapolez, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Pardon, ne m'insulte pas, mamie, c'est la publicité de Juste Ray. Dans les abonnés qui viennent là, ceux qui viennent voir le direct là. Juste Ray. Mais rendez-vous le 9 de ça chez moi, pour que tu payes ma nourriture. Parle. Ma foi, même à l'artata, mon outouton, j'y serai. À l'artata, mon outouton, j'y serai. Bon, donc, c'était juste instant prix. Ok, c'est bien comme bon. Ok, Tano, tu t'es libéré, c'est bon. L'appel est fini. C'est la veuve qui a un problème avec moi. Et vous-même, qui êtes là, présent, vous, la team, la famille, tous mes soeurs et frères qui sont là, qui nous écoutent, merci déjà de excusez-moi de vous prendre de votre temps. Donc, c'est juste pour dire, posez les bonnes. Si vous posez les vraies questions à quelqu'un ou les bonnes questions, vous aurez aussi les bonnes réponses et les vraies réponses. Parce que les gens sont là, ils viennent vous balancer ce qu'ils veulent, mais vous ne connaissez pas les tenants, les aboutissants, les profondeurs de l'histoire. Donc moi, si j'ai un gros ventre, c'est parce que j'en ai trop de la veuve. Mais jamais, c'est-à-dire, mais quand je dis jamais, mais en même temps, on ne dit jamais, jamais. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Je suis sa confidente. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un qui connaît quelqu'un, même je la connais même mieux qu'elle-même, elle me reconnaît. Je ne sais pas, moi, je fais la publicité de Juste Ray. Ça, on appelle, moi, je vais faire quoi? Enfin, je vais te bloquer. Ok, bon, je vous laisse. Ok, je vais la bloquer. C'est quoi avec toi? Ok. Je vais la bloquer. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, en ce qui s'est passé ici, mon frère Warus nous a bien reçus. J'ai accueilli, j'ai demandé à la veuve de venir. Et donc, même tes frères et sœurs qui étaient, elles étaient contents de la rencontrer. Elle-même, à tout départ, elle était contente d'être là. Tu nous as accueillis, c'était royal. On n'a rien manqué. Voilà. Et c'est vous qui avez commencé à parler de moi, tous les deux. Et après, moi, le lendemain, j'ai voulu remettre ça au clair. Elle s'est fâchée, elle est partie. Fin de l'histoire. Alors, on arrête là, c'est bon. Arrêtons les saignements, là. Ça n'a même pas lieu d'être fait. J'y serai, maman. Moi, je m'en fous. Tant que maintenant, bon, ok, de ça, rien ne va appeler là. Ok, bisous. Alors, comment on sort de ce... Please, I need some help. Tu es donc... Ok, juste serai balade. Mettez les cœurs. En tout cas, bon, moi, je vous dis... le Japon, même bien quand il y a le Japon, même si c'est arrivé que ça a tourné. En même temps, c'est la publicité de Marf, ok, fait là. J'y serai. C'est tout. Celui qui va appeler, appelle. Voilà, moi je suis en cuisine. C'est la cuisine de Mafo. La cuisine de Mafo. J'y serai. Vous voulez qu'elle fasse quoi? J'y serai, non? Il y a les gens peut-être qui ne connaissaient pas, peut-être qu'il y a la soirée là. Il y a peut-être deux ou trois qui vont peut-être venir prendre ça. Et dit que, hey, il y a une soirée que j'y serai, que Balata sera là-bas. Balata sera là-bas et sa robe maritale. Vous ne connaissez pas très bien. Il faut profiter. L'affaire du Ndepa, c'est même que on veut que vous venez associer Balata avec le Ndepa. C'est ce que vous avez fait ici, vous avez collé le Ndepa sur Wario. Matin, me dit Ndepa, Ndepa, Ndepa. Donc, nous, on est là, on dit que je Ndepa, quoi. Maman, moi, je veux du Ndepa. En tout cas, j'accepte, même si c'est mouillé, je prends. Donc, on sera tous à mode de j'y serai chez ma fou, chez ma yamseur. Bon, vous savez quoi, grosso modo, c'est toujours bien, vous comprenez, c'est toujours bien parce que la veuve a parlé, c'est ça, des copines, de qu'elles vont s'arranger. Leur copinage est comme... bonjour Félix, Steve Zoulé. Leur copinage, c'est comme une famille, en fait. Elles vont s'arranger. Mettez les cœurs aussi, c'est comme...
Vous voulez donner la honte à Balata devant les ténébreuses? Mettez les cœurs quand même. Quand même, Balata fusionné avec Lumiera. Lumiera, c'est ma yam sœur. C'est moi qui ai nommé Flo ici que Lumiera. Vous voulez mes livres ténébreux, que vous ne mettez pas les toits, vous ne mettez rien, même les étoiles, vous ne mettez pas. À part les petites étoiles, les étoiles frélatées, les 50 étoiles. Mieux encore, vous mettez que les cœurs, papa. Pardon. Non, sérieusement, c'est quoi? Coucou, Kalata. Il faut aller au niveau qui n'a mal au dos. Il va dire qu'il a mal au dos. Il n'a pas dansé. J'ai vu sa page, il a dansé, non? Il a dansé. Moi, la personne que moi j'ai eu ce matin, c'est Adolina. C'est Adolina que moi j'ai eu ce matin. Parce que moi, je n'aime pas voir Adolina. Bon, ce n'est pas dans son. Ce n'est pas sa. Adolina n'est pas la personne qui bagarre. Donc, j'ai appelé Adolina ce matin. Il a écrit, il m'a répondu, et après, non, je l'ai envoyé en poste. Il m'a répondu, après, je l'ai appelé, et je veux plus le voir dans tous les bagarres, là. Parce que, Adolina n'est pas quelqu'un qui bagarre, parce que moi, je n'ai pas aimé la vidéo de hier, là. C'est pas comme les gens de Belgique, mais vous avez le temps, hein. Vous vivez comme au village, hein. Le Congo, ça, l'autre a dit que l'autre a fait, que l'autre a fait, que l'autre a dit que, et vous bagarrez. Oh, quand on dit que vous, est-ce que dans la communauté, Kwandenge camerounaise, tu n'as rien compris, en fait. Après, on va venir expliquer que bah, tu n'as rien compris. Et sa copine dans son studio, que c'est le mari de ma copine qui m'a donné gratuit, mais moi je n'ai même pas le temps. Même la est-ce que vous me voyez vendre le piment? Ça, je mange et descends. Non, Adolina, moi honnêtement, c'est il a mon âge, il a le même âge que Balata. On a le CEP ensemble. Demandez à Adolina, non, il va vous dire. Demandez à Adolina, il va vous dire. Mais moi, je l'ai eu ce matin. Parce que moi, je n'ai pas aimé les vidéos que j'ai vues passer hier. C'est même qui m'informe ça. C'est quoi? Je crois que c'est Valérie, c'est Bolingo qui m'informe que il y a eu la bagarre en Belgique et tout. On part sur Anna Ngamba. Donc, j'ai eu Adolina aujourd'hui. J'ai passé. Moi, si je dois appeler quelqu'un, j'ai tous leurs numéros. Mais c'est Adolina qui est mon camarade de classe. Moi, j'ai eu de la peine de voir Adolina courir comme ça et donner les coups de tête. Maman. On peut faire le kung fu comme ça, maman Sarah. Hé, hey, mon camarade de classe, vive Ngwaitele. Non, tu sais que vous ne connaissez pas. Adolina n'est pas quelqu'un qui bagarre comme ça. Adolina, c'est quelqu'un qui il va parler. Merci beaucoup, Adolina, moi, on est des gens. Je vais vous dire, Adolina n'est pas quelqu'un qui va aller bagarrer. Ou Adolina n'est pas quelqu'un qui. Il va peut-être. Adolina peut faire le Congo, ça derrière, comme tout le monde. Adolina peut venir vous montrer sa vie de luxueux. De luxueux. Vous voyez, non. Il va vous montrer les chaises royales. Il va vous montrer les ruinas. Mais Adolina allait bagarrer comme ça, se livrer. Adolina, moi, on a fait bagarre à Gagny. C'était en 2015 sur Khalil. Parce que c'était tout là, m'énervait. On a fait bagarrer. Même moi, on voulait descendre pour un chamamba. C'était chaud. Mais après, on nous a calmés. Et ça s'est séparé là. Et puis, bon, après, même on se dit, bon, ça sert à rien, quoi. Adolina m'a expliqué. Moi, elle avait dit le coucou. Je dis ce qui s'est passé là-bas. Je dis ce qui s'est passé. Ça ne me concerne pas, mais c'est la personne d'Adolina. C'est ma personne. Est-ce qu'il peut m'en vouloir pour ça? Moi, j'ai eu Adolina. Je parle le second de ce que Adolina m'a dit. Est-ce que Adolina m'a dit, il n'y a même pas grand-chose dedans. C'est vous qui dramatisez. Je parle. Ah, vous n'êtes plus là. Oui, Adolina, c'est une bête. Ah, mettez les cœurs, vous aussi, les ténébreux. Oh. Mais encouragez aussi Balata. Moi, j'ai eu Adolina avec 10 heures. Et je connais Adolina. Il y a des trucs qui ne peuvent pas me mentir. Il y a des choses qu'Adolina n'est pas dans certaines choses. Moi, je ne vais pas juste me mêler. Et même si je vous explique ça, ce qu'il m'a dit, bon, je peux y aller, tu ne peux pas entrer dans les détails. Parce que, bon, voilà. C'est le socco. C'est le socco. Quand il faut parler des trucs qui se passent. Mais tout à l'heure, vous ramassez Eva, vous l'avez essayé, mais c'est aussi. Adolina n'a pas bagarré avec Nibakine directement. Donc, ce que vous racontez là, ce n'est pas vrai. Vu que Claude a quand même déjà venu mettre la photo de la personne, c'est Claude a quand même qui a mis d'abord la photo. Donc, moi, je,
je dis seulement ce que moi, mon camarade de classe, je n'ai appelé que mon camarade de classe. Adrien m'a dit que vraiment c'est la petite chose. Je ne vois même pas Adrien. Pour dire la vérité, Adrien a peut faire son boum boum, son cancan, c'est cancan, tout là, mais Adrien n'est pas quelqu'un de violent. C'est pas quelqu'un qui est agressé, quand même, ça ne nous mentons pas. Je connais très bien mon camarade de classe, ne m'informez pas Adrien. On a fait le coup, maintenant on a fait la 6e, la 5e ensemble, on se connaît très bien. Quand Adrien est entré en Bengue, même il est venu me voir à Paris, on a fait la fête. Je connais bien Camdem, non? On me parle de Camdem, il le connaît très bien. Moi, quand vous vous connaissez dans le monde, vous avez commencé à connaître les hommes au Cameroun. C'est moi, Adrien, on s'est connu étant des enfants. Donc, il savait que. Il savait qu'on est là pour parler d'Adrien. Il savait que. Dans ce que Adrien nous explique aujourd'hui. Maman, Adrien était un gars nous hier jusqu'à. Il savait que moi, il savait que hier, moi ce matin, j'appelle Adrien, parce que peut-être qu'elle est remontée. Bon, pas remontée, mais je sais que c'est un peu déçu parce que ce n'est pas du genre. C'est plutôt des gens comme les Balakas qu'on peut voir, peut-être qu'ils ont peut-être fait le scandale, mais Adrien même n'est pas quelqu'un comme ça en fait. Il n'est pas quelqu'un qui va. Aller bagarrer, il peut peut-être te laver, vous allez vous insulter, il peut peut-être faire vous faire le Congo Star, mais bagarrer comme ça, dont la vérité c'est quoi? Mais ne dit pas, ça vous est nerveux. Donc j'ai eu Adrien, attendez, ma soeur, non, vous, si vous êtes malade. Adrien m'a dit que, Waris, comme tu me vois là, tu me connais depuis qu'on est enfant, moi je ne suis pas quelqu'un qui bagarre pour rien, mettez les cœurs pour Balata. Moi, je ne bagarre pas pour rien. J'avais un contentieux avec mon frère. Non, il y avait une histoire à Charleroi où on sabotait son nom partout. Et quoi. Bon, bref, le truc que vous connaissez là. Et maintenant, il savait qu'ils sont partis dans une boîte de nuit. Ça, c'est la version qu'Adonis m'a donnée. Ils sont allés en boîte de nuit. Et comme vous savez qu'Adonis aime beaucoup les soirées, papa soirée. Adrien aime les soirées. Donc, c'est comme ça que il paraît que d'après Adrien, Nivatine et Rodrigue le naguaient, le provoquaient. Mais lui, il était tranquille. Le Didier même appelait le nom d'Adrien. Mais seulement que les Nivatine partaient donner l'argent au Didier. Ça, c'est la version. Bon, je vais sauter. Les affaires que tel en coupe avec l'autre, tout ça, ça ne vous regarde pas. Je vais couper beaucoup de choses. Maintenant, ils ont fini ça, parce que je n'ai pas besoin de venir parler de sexualité des gens sur mon mur. Je respecte tout le monde. Donc, c'est comme ça que quand ils sont sortis, Adrien a dit qu'il part avec sa voiture pour rentrer chez lui. C'est comme ça, donc, que Rodrigue. Après, apparemment, Rodrigue a giflé Adrien sur la nuque. Et Adrien s'est retourné, il percute. Et maintenant, quand il s'est retourné, il percute. Mettez les cœurs pour qu'elle continue. Quand il s'est retourné, il percute. Quand il se passe, Rodrigue commence à insulter Adrien à que tu as les quatre lettres. Et c'est vrai que Adrien a donc dit que, ok, toi, donc c'est que toi et Nivatine, vous avez eu à dire sur moi ici, donc c'est la vérité ici à Charleroi. Toi-même, tu as les quatre lettres. Non, toi-même, non, c'est Adrien qui dit à l'autre que les quatre lettres, la maladie que tu souffres là, quand elle était tapée, elle était mise au sol, tu as voulu me mordre pour me contaminer. Par exemple, si tu me mordais, j'allais avoir. L'affaire là, mais en même temps, c'est tellement stupide et bête. Comme depuis quand on te mord, puis tu as le sida. Bref. Donc, j'ai dit que les gens de Belgique. Oh, bof! Le village en Europe. Donc, c'est comme ça qu'Adrien m'a dit que. Quand l'autre lui a répondu que. Toi-même, tu as ça, non? Tu n'as pas les quatre lettres là. C'est là qu'Adrien a dit que. Mais, donc l'affaire si. Que vous parlez sûrement de Charleroi. Et qui sont sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Donc, le marathon, là, alors que Adrien m'a expliqué qu'il a pris le marathon que vous avez vu Nganou courir. C'était ça. Et il paraît qu'il a allumé l'autre et Nivatine voulait se mettre au milieu. Ça, c'est Adrien qui m'explique la version de la bagarre. Nivatine s'est mis au milieu et maintenant, Adrien
Donc, quand Adrien était en train de donner le coup de poing sur la personne qui était au sol, Nivakin voulait venir faire comme si, comme si il sait pas, mais en voulant plier les pieds, les mains d'Adrien pour que l'autre tape Adrien. Et comme et Adrien a compris ça, il s'est donc levé, il a bombardé un coup de poing à Nivakin. Ça, c'est Adrien, that's pro. Et puis l'autre a volé là-bas. Donc, ça, c'est Adrien qui m'a dit ça aujourd'hui. Yami, je t'ai dit, donc apparemment, ce qu'Adrien m'a dit, quand il maîtrisait mon frère au sol, parce qu'il n'aime pas trop donner le nom n'importe comment, quand il maîtrisait celui qui était Nivakin là, au sol, Nivakin faisait comme c'est ce qu'Adrien nous a dit. Il fait ça, bien venir séparer, mais en voulant tourner les mains d'Adrien pour que l'autre qui est au sol allume le nez même, ou le front, ou l'œil d'Adrien. Maintenant, entre temps, quand il s'est levé, donc Adrien a donc donné un hypercute à Nivakin Nabo. C'est comme ça. Donc, grosso modo, moi, j'ai encore eu une personne, une copine à Chaloga qui m'a dit que vrai, pour dire la vérité, si Adrien est sorti victorieux. Vous comprenez, non? Ma copine qui a Charleroi, une balatoise, elle m'a dit que Balata, l'histoire que tu vois ici, Adolina est sortie victorieux. Donc, ma camarade de classe, je vais plus te voir bagarrer. Ou mon camarade, ou ma camarade. Madame de Fontenay, avec tes gros chapeaux. Madame de Fontenay, je vais plus te voir bagarrer. Mettez les cœurs quand même pour Balata, vous êtes malade. Donc, Madame de Fontenay, notre seule Adolina qui a ses chapeaux, et que quand il passe comme ça, là, même dans Bruno Bidjan, a repéré Adolina. Maintenant, Adolina m'a dit que pour la personne qui a filmé, la personne, vous savez que vous regardez bien, je vous dis que la deuxième de la Belgique vit comme au village. Regardez Balata, vous n'avez pas fait Balata dans la merde là. Tout le 9 décembre, oh, Eva, le 9 décembre, si vous regardez bien, Adolina m'a dit que la personne qui a filmé, regardez bien la personne qui a filmé, la personne était très loin et c'est la personne qui a bombardé. C'est la personne qui a bombardé. Quand je vous dis que la communauté Kwandengue de la Belgique, si tu vis avec les dans le domaine des Wate ou des enfants des négropolitains, tu auras moins de soucis. Mais si c'est là que vous êtes entre vous, les Camerounais, vous buvez les Heineken ensemble, vous tirez le pas ensemble, vous pinez ensemble, mais vous entendez à quoi, maman? Majulé Ngamba. Si tu veux voir la vidéo, c'est chez Majulé Ngamba. Non, honnêtement. Moi, je connais. Adrien n'est pas quelqu'un qui se. Il va vous montrer sa chaise royale. Il va vous montrer ses blancs riches, ses châteaux. Que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, c'est ça. Voilà notre Adrien qu'on nous connaît. Donc, ça fait partie de la joie. Même s'il fait l'onfourou, l'oncanteux. Même si fait le fourreau, le canteux, nous tous on fait le fourreau et le canteux. Mais ma balatoise qui est une fille même, elle m'a dit que j'étais là. Oui, j'ai vu. Mais Adolina, la personne, maman, le caméraman, quand tu demandes à Jacob, le caméraman, là, il te dit que c'est toujours une personne de la communauté. Il s'est mis loin pour publier Adolina, Nivakin et Rodrigue. Oudia Amino. C'est peut-être que la personne était loin. Regardez bien la vidéo là. Je veux dire qu'on critique la France, mais en France, les Kwandengue d'abord, quel Kwandengue Camerounais d'abord, déjà, il n'y a même pas les affaires que les Kwandengue Camerounais vont manger avec les Kwandengue Camerounais, ou bien ceci, c'est faux. En France, tu peux entendre qu'un Camerounais peut être invité peut-être chez un Arabe, chez un Antillais, chez un ceci, chez un Maorais, chez un Blanc. C'est comment ça se passe ici en France? Vous n'avez pas voir les conneries ici. Regardez Balata depuis, je n'ai pas fait mes fêtes. Vous m'avez avec mes amis et puis ça sort sur mes tacons bagon baga quoi. En baga quoi. Vous êtes toujours entre vous. C'est juste le problème. Même à Bruxelles qui est parti à Bruxelles, c'est toujours les Camerounais qu'on est entre eux. Nous encore, on peut encore sortir avec les gens, mais on n'est pas du même pays. Tu entends que les Bagana, les Bas Côte d'Ivoire, les Bas Haïti, les Bas Dominique, Saint-Dominique, les Bas White,
les bassins. C'est pas, il n'y a pas tout ça. Parce que quand on dit que la culture, la diversité, elle soit bien. Vous vous sentez que entre vous, vous faites tout entre vous. Et c'est pour ça que vous avez encore sorti sur quoi, sur Meta. Vous savez bien que les Camerounais connaissent le Japon. La personne qui vous a filmé là, non, j'ai fait mon coup de gueule. La personne qui vous a filmé là, mais c'est du ridicule total. Je vous dis, la personne qui vous a filmé, c'est la même personne qui était dans votre soirée. Kwandengo aussi, des gens. Parce que quoi? Parce que la personne a les faux profils dans le Japon. Quand vous dites que faites attention, vous sortez tout le monde entre vous. Moi, ici à Paris, même, je dis qu'à Paris, hein, wow, Camerounais, ce sont mes amis. Si je suis avec une personne qui est du Cameroun, c'est que tu es né ici. Tu le connais pour le Japon. Vous voyez donc les conneries là. Donc, j'espère que vous n'allez plus jamais faire ça parce que franchement, c'est moi, je trouve ça gamin en fait. Maman a dit une cour, mon camarade est là, c'est maman. Hi! Maman a donné la coup. J'ai senti les gens les hypercutent. Maman a donné. Après, Aduna m'a dit qu'il avait un ras-le-bol. Tu as entendu qu'elle a dit ça, non? Aduna a dit qu'il avait un ras-le-bol. Aduna a dit qu'il avait un ras-le-bol. Il m'a dit, mon frère, je ne te mens pas. J'avais un ras-le-bol. J'avais un ras-le-bol. Il m'a même expliqué tout. Il m'a tout dit. Que même Nibakine l'a contacté pour s'excuser là, qu'il lui pardonne, mais qu'il reste un peu dans son coin. Parce que ça, je lui ai même dit que non, ça ne sert à rien. De toutes les façons, même vous êtes des frères. Et vous dites, moi, je ne comprends plus. Ce qui même que vous appelez aspirine, là, qui s'appelle aspirine à trop la bouche. Ce qui est aspirine. Moi, j'ai vu aussi les trucs là. Moi, franchement, je ne suis pas content parce que même quand Nibakine était avec nous à Paris, comme on entend descendre, nous, il y avait perdu des bagarres là. Il y avait perdu comment on bagarre quoi? Et même si on bagarre, c'est les bagarres entre les petits trucs, les échanges de mots, les petits trucs vite fait, mais ça finit là. Personne ne fume l'autre. Ça s'arrête là. Vous forcez les Camerounais. De ce quoi, Adjane est sur les réseaux sociaux. Nibakine est sur les réseaux, est dans les réseaux sociaux. Vous bagarrez quoi? Vous bagarrez quoi? Moi, je n'ai pas même habité au à Charleroi. Ou je n'ai pas même habité à Liège ou en Belgique. Parce qu'avant, il y avait d'autres états à Liège ou d'autres états à Belgique. Même à Bruxelles. Mais vous allez voir, regardez même à Paris, comment moi, je vis chez moi. Toujours à Monganda. Ou bien quand je sors, vous allez peut-être voir Balata. J'aime vous faire rire, non? C'est une histoire que vous faites rire, non, mamie? Hmm? Non, moi, j'aime quand... Regardez-moi, par exemple, si ce n'est pas m'amuser en bois de nuit, je m'en vais où il y a des gens qui ne connaissent même pas le Njapa. Mes amis ne connaissent pas. Je vais te dire, mais c'est quoi même... Pourquoi tu insistes qui? Si tu dis même Fleur de Lille, ils ne connaissent pas Fleur de Lille. Tu dis Lolo Fodja, ils ne connaissent pas. Si tu n'es pas de Aya Nakamura, ils connaissent. C'est la chance que moi, j'ai. Les gens même qui parlent des quatre lettres, là, même, c'est quoi, c'est le cancer, mamie? Les gens même sont tellement bêtes. En Europe, encore les Africains. Par contre, Adeline a dit que il avait peur que l'autre le morde. Parce que le morde, elle le contaminer. Non. Ce n'est pas une morsure des dents là, qui va te contaminer. Ouais. Moi, franchement, Adeline, Nibakine, arrêtez tout ça, ça ne sert à rien. Vous êtes à Chaleur. La chance que vous êtes à Charleroi là-bas. Si moi quand j'habite dans une ville, dans une petite ville, vous êtes dans les petites villes. C'est pas comme nous là-bas en région parisienne que c'est tellement grand. Tel est dans tel département, dans les départements, il y a plusieurs villes. Vous êtes dans une petite communauté comme ça. Moi, franchement, vous devez rester soudés. Si c'est pas comme elle, je sais pas quelqu'un qui avait fait les postes sur Adolina. C'est tout chez vous là-bas que vous versez sur Meta. Est-ce que vous voyez Balata à Paris même verser les gens sur Meta? Moi, je les connais même quand on faisait qu'on était encore plus jeune. On recrutait les conneries sur deux, trois, et moi je m'attaquais jusqu'à mes ex. Et encore même, que deux. Ou trois même. C'est pas, même pas trois. C'était l'ongoumé, non? À part ça, moi j'amène tout sur Meta. Voilà comment on vous a filmé là. Moi j'entends ce moment. Je vais sortir mes lames.
L'autre, là, je vais beaucoup hyper Ndanou, c'est ridicule. Si moi j'habitais chez vous là-bas, c'est que déjà pour me voir, ça allait être compliqué. Et puis de deux, j'allais peut-être vous inviter sans chez moi. On avait passé une bonne petite soirée, comme je fais d'habitude, même quand je suis même à Rouen ou à Paris. Et je rentre chez moi. Non, 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 non. Là-bas. Hmm? J'allais passer réel, même qu'elle n'est pas à Rouen. Même qu'elle n'est pas partout. Même qu'elle n'est pas à Rouen. Non, non, non. J'ai pris ma paille. Non, non. J'ai pris ma paille. Vous m'avez dit la nuit. Non, non, non. Ah, c'est sur fond. Le problème, c'est que même vous êtes les cam-cam-cam. Vous savez bien que les Camerounais, un seul qu'on n'a pas, avoir même 20 faux profils. Et c'est vous qui, les Camerounais, ils ont déjà pas. Ils vont toujours dire qu'ils ont déjà pas. Ils sont toujours ensemble. Ils se lavent aujourd'hui. Ils sont ensemble. Vous attendez à quoi même? Hein? Non, franchement. Vous attendez à quoi? Regardez ce qui se passe à ce métal. Je ne peux pas quoi. Je vais préparer tout à l'heure la poule. Parce que le mari de ma copine élève des poules là. Où c'est les poulets de ferme. Je vais préparer tout à l'heure là. Hmm? Vous attendez à quoi? À quoi? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai appelé Adulina parce que c'est Adulina qui est mon camarade. Parce que c'est Adulina que moi, je connais. Et j'avais honte de voir Adulina se mettre en spectacle comme ça. Quelqu'un peut avoir la force comme ça, là, et taper deux personnes, mamie. Adama, Nganou. Nganou, Adolin. Non, moi, j'aime pas ça. Ah, le poulet fermier, avec le plantain ou le manioc, je ne sais pas. Je vais vous le congeler, ma copine. Il va aller chez elle là-bas, comme ils habitent de l'autre côté, il va aller prendre le truc. De brûler la bête. En tout cas. Non. Et puis, c'est même quoi, même ça? Merci pour les condoléances. Merci beaucoup. J'ai perdu ma cousine. Merci. Non, moi, j'étais dépassé. Vous avez même vu les coups de genoux, les coups de tête. Ah, vous, comme un pot. Il m'a dit, voilà, je te demande pardon. J'étais dépassé. J'ai dit que, hein, quand même Lionel, mais qui t'es dépassé. Les petits trucs que le Congo, ça, les tels, on te met les trucs que tu ne connais pas, Waris. J'ai dit que, ah bon, bon, calme-toi alors. C'est bon, ce qui est sûr, ah, vous allez vous arranger, vous êtes dans la même ville. Et tout. Donc, ce qui est sûr, ils vont s'arranger. Mais je préfère que quand ils vont s'arranger, il faut savoir que quand on a une communauté, une petite communauté, dans une petite ville surtout, c'est ça, les petites villes. Vous comprenez pourquoi Balata n'aime pas les petites villes. Dans les petites villes, il y a toujours les trucs comme ça. À Reims, c'était pire. À Reims, c'était pire. Ou encore, vous savez pourquoi il y a le Congo ça? Ou encore, c'est une ville que tout le monde se connaît là. Alors qu'à Pago, tu as commencé par connaître tout le monde comment? Moi, j'habite chez moi dans mon 78. L'autre, même dans le même 78, qui est celui-là. L'autre habite peut-être même du côté de Clash. Pour quitter de chez moi pour aller à Clash, c'est au moins une heure. D'autres habitent peut-être même à Saint-Cy, école. L'autre habite peut-être à Versailles, Chantier. L'autre, donc, d'autres, j'ai aussi un ami qui peut habiter loin là-bas à le même système dans le 77. Donc, c'est pour ça que la région parisienne est tellement grande. On n'a même pas besoin de tout ça. On se retrouve souvent dans les boîtes de nuit. À chaque fois, on se retrouve, c'est tout la joie, on danse. Et on se sépare, chacun fait les acteurs. Il y a tellement les appartements des acteurs que, après les acteurs, chacun rentre. Mais les petites villes où chacun soit ensemble, l'autre pine avec l'autre, l'autre fait comme ça. Mais c'est quand j'ai des vies, ça. Et de ce quoi, les Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux. Oh, il fallait pas que l'autre me morde. Parce que l'autre me mordait. Est-ce que le VIH, c'est une maladie? Les cadres, c'est une maladie. On mord quelqu'un pour avoir le sida. Ce n'est pas Yara qui est venu même. Ce n'est pas ma copine qui est venue. Moi, si je me mets les 4 lettres, est-ce qu'elle a mordu pour qu'elle ait les 4 lettres? Elle est ce qu'elle m'a raconté. Eh, appelez, non, vous n'appelez plus. Vous pouvez appeler quand on débatte. Est-ce que j'ai mordu ma copine?
Non, je n'ai pas mordu ma copine, qu'elle est aussi les quatre lettres. Ouais, Facebook. Oh, non. Franchement. Moi, je veux donner un conseil, mes frères. Non, ça sert à rien. Arrangez-vous bien. Arrangez-vous et vraiment, il faut être solide. Surtout quand on est une petite ville, vous savez que la minorité, les Kwanenge ne seront jamais très, trop acceptés partout. Vous savez qu'on est, il y a le côté de marginalisation. Je sais pas, dit quoi. Marginalisé. Les Kwanenge sont marginalisés, oui. Quand vous êtes dans une petite ville, comment soyez soudés. Soyez soudés. Vous voyez même que même mes propres amis à Paris, des fois, on se boudait, mais ça fait tellement longtemps, ça fait les problèmes. Je ne vais pas même dans les soirées appartements. Je ne vais pas les soirées appartements, mes amis. On rigole. Des fois, même on peut s'échanger les mots, mais après, ça s'arrête là. Mais qui va m'insister sur mettre à qui ça te l'insulter? Je vous dis ça, te donner les conseils. C'est tout. Si m'insiste, mettre à ses produits là-bas, moi, quoi. Non. Moi, j'aime pas le fait que les gens se déchirent comme ça et tout ça. Et puis, c'est ridicule même. C'est ridicule. Pour les histoires de « on a dit, l'autre a fait que » et puis tu m'avais parlé, tu m'avais saboté, ça fait quoi? Ça fait quoi? Moi, j'aime pas ça. Moi, honnêtement, moi, je vous donne un conseil. Vous êtes minorité là-bas. Vous n'êtes pas nombreux. Soyez soudés. La personne même qui a filmé là, c'est quelqu'un, c'est tout, quelqu'un qui t'avait eux. Il a laissé mettre loin parce que c'est que voilà deux stamps, bracata, qui sont là. Ah, moi, ce qui me fait pitié là, c'est la photo de Rodrigue et son machin, Claude Akam. C'est ça qui moi, je ne pense pas que c'est un gars que moi, Claude, Rodrigue me respecte. Moi, je ne sais même pas ce que sa photo fait sur les réseaux sociaux. Mettez les cœurs, on a été bien signalé. Ah, mais signal, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. On a été même signalé maman à Balata. Maman, ça, on peut signaler quelqu'un comme ça. Vous voyez comment ça tremble. Maman, on peut signaler. Vous voyez comment ça se passe. Hey, maman, le signalement de ça. Maman. Vous voyez quand vous pompez les cœurs, comment ça ne se fait plus. Maman. Moi, c'est la photo de Rodrigue que moi j'ai vu sur Claude Akam. Je n'ai même pas commenté parce que ce jeune homme-là, il est tellement sympa. En fait, il me respecte aussi. Je n'ai pas un contentieux avec Rodrigue. J'ai affecté avec Rodrigue à Bruxelles. Je n'ai jamais eu un problème avec Rodrigue. Son nom, sa photo vient faire quoi sur Claude Akam? Qui a envoyé la photo de Rodrigue sur Claude Akam? Parce que moi, une personne comme moi, je connais la version que c'était les trois, Rodrigue, Nivakine et autres. Et Adelina. Mais qui a envoyé, parce que je ne connaissais pas ça avant que Adelina me confirme. Qui a envoyé la photo de Rodrigue Choclo Nakam? Arrêtez soit ça de Belgique. Vous publiez les gens qui ne veulent même pas être dans les réseaux sociaux. Ça, je n'aime pas du tout. Il faut arrêter ça. Ça, par contre, c'est un coup de gueule. On ne publie pas tout le monde. Il peut avoir une bagarre. Vous pouvez en mettre les deux stars. Vos deux stars là-bas, c'est Adelina et Nivakine. Vous parlez, la photo de Rodrigue va faire quoi chez Claude Akam? C'est quoi cette méchanceté-là? Il va arrêter ça. Ce matin, dès que je finis avec Adelina, ce qui m'interpelle d'abord, c'est que j'aime l'appeler Rodrigue. Mais après, je dis que non, j'appelle Adelina parce que je vous dis ce que j'ai vu. Je me lève aujourd'hui. Ma copine vient me livrer à manger. Je dis qu'OK et tout. Dans le petit déjeuner, moi, je suis comme un roi ici. Donc, je dis qu'OK. Je vais monter. Voir le mur de Claude Akam. Voir la photo de Rodrigue là-bas. J'ai quand même chiqué. Rodrigue, ça m'a fait quoi ici? Étant donné que je sais que, pour moi, quand j'ai dormi, je sais que c'est la barrage de Nivakine et autres. Je dis que j'appelle un pas de lune à poudre. C'est quoi ça? C'est tellement ridicule. C'est ridicule. C'est quoi que vous prenez tout pour mettre une méta? Ce jeune homme là qu'on appelle Rodrigue le cherche. En tout cas, moi, il ne m'a jamais dérangé. Ces photos font quoi sur méta?
Il a son propre métal même qui ne publie jamais rien là-bas. Si c'est Balata, maman, si c'est moi qu'on avait dosé comme ça, hé, Nibaki n'allait danser jusqu'à Balata une place. Non, sérieusement, on a fait la paix, on est là pour on rigole, mais c'est vrai. Arrêtez souvent de toujours amener tout sur méta. La personne qui filme ça, tu filmes ça pourquoi? Vous, comment vous êtes comme dans du village comme ça là? Il te dit qu'en Belgique, ils ne sont que entre eux. Les Camerounais poignent que entre eux. Ils pinent que entre eux. Ils bagarrent entre eux. Les ailes, c'est entre eux. Ce qu'ils ont pris au Cameroun, c'est la même chose qu'ils amènent en Europe. Plus la preuve, regarde la soirée. A donné la bagarre avec les Camerounais ou le Congo. Regardez, elle se balata, balata se poste sur Facebook. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Vous amenez le nom de l'enfant, vous se mettez à comme ça, pourquoi? Vous dites, c'est quelqu'un que tu. Moi, franchement, pour dire la vérité, il ne me dérange pas. Quand le monde cause, on cause vraiment bien. On n'a pas un problème de moi. Je pense que c'est une nouvelle, ils connaissent mes nouvelles. Et comme aussi la Belgique, c'est pas tout le temps que je les appelle. Adrien allait appeler ce matin parce que j'ai vu tellement, c'est tellement ridicule. C'est trop ridicule. Maman, si c'est moi qu'on avait dosé comme ça. Ah la maman Sarah. Moi, elle parle bien. Je dis même que non, c'est vraiment ridicule. On n'a plus l'âge de se bagarrer comme ça. On se bagarre quoi? Venons par le neuf cheflon. Allons le neuf cheflon. J'y serai. Venons par le neuf cheflon. On va s'amuser là-bas. Si vous voulez venir, si vous cherchez où aller dormir, j'ai un grand appartement, on va même jeter le matériel pour faire vos stocks. Je vous accueille, vous tous. On parle en mode j'y serai, non? On parle tous en mode j'y serai. C'est quoi ça? C'est quoi que vous prenez? Moi, je n'aime pas les affaires que les gens. Les gens boivent avec toi, ils te filment pour mettre une méta. Vous voyez dans la mentalité quand vous fréquentez la bouillabaisse camerounaise. Et c'est sur quoi? Les gens qui entourent les doubles esprits. Moi, je parle même là, j'aurais même du mal à manger que j'ouvre ma porte. Parce qu'ils vont venir chez toi, moi, j'aime ça marcher le caleçon. Demande à Wario, je vais même marcher la caleçon, moi, je m'en fous. Même les Eva, si, elle marche la caleçon, moi, je m'en fous. Moi, je dors, j'écarte même mes pieds, je m'en fous. C'est quoi ce ridicule-là? Vous pouvez être dans la même ville. Avoir les mêmes délires. Bonsoir, Tiki Mbappa, Mbappa, Mbappé, Mbappé. Vous pouvez avoir les mêmes délires, les mêmes soirées. Supportez-vous. Supportez-vous et allez faire les biboines dehors. Allez hors de votre communauté là. Et si vous avez les gros trucs à faire, ne parlez pas entre vous parce que ça vient tout tomber tout sur méta. Je sais pas c'est qui s'appelle ces parties qui avaient bombardé à donner les sur méta. Adieu, nous a mis les postes. Vous, est-ce que vous voyez Balata? Que les amis de Balata font les postes sur Balata? Ça n'existe pas. Il n'y a pas un ami que Balata fréquente en France qui a fait les postes sur moi. C'est moi qui danse sur l'été indien. Oui, paix à moi, Abimité, c'est ça. Vous avez vu un jour, un de mes amis, même les amis de, mes amis de Bruxelles, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont à Bruxelles même. De Bruxelles là-bas. Mon ami à Charleroi, c'est Adelina. Que je connais, c'est mon camarade de classe. Allez sortir, même les gens d'un autre pays. Allez faire les biboines loin. Soyez ensemble dans la fête. Après la fête, allez faire les biboines loin. On va aller chez Mafo, nous tous. Nous tous, on sera chez Mafo. Je ne suis pas là pour dire que. Non, moi, c'est. C'est dommage, hein? C'est dommage. Moi, je vois les photos de Rodrigue, comment je coule dans la caméra. Je vois les photos de Rodrigue qui se balade partout, partout, partout. Qu'est-ce que vous voulez toujours aller faire les faux profils pour publier les gens qui boivent avec vous? Mais c'est quoi cette mentalité de que vous avez la marche à le roi? Honnêtement, je fais un coup de gueule là. Vous partez faire les faux profils, vous publiez Rodrigue et Somba. Sur Claude Atam, comme quoi, c'est Adrien a tapé Claude Nibakine, pas Nibakine. Claude, fou.
Comme quoi, c'est Adela qui a tapé Rodrigue par rapport à une histoire de Congo, ça. Sur Claude Lacam. Et je vois ça partout sur Meta. Vous avez encore la jugeote d'amitié. On peut se prendre la tête, on peut s'instruire, on peut bagarrer, mais ça ne sort pas sur Meta. Il faut éviter de mettre les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Vous amenez le Rodrigue et son Bacoman. Non, 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 non. Et Claude Lacam, quand tu es publié, Jean, il faut avoir la bonne version. Il faut avoir la bonne version. Moi, il y a des trucs que je code. Parce que je respecte les intimités des gens. Il faut avoir la bonne version. Ce gars de Rodrigue n'est pas sur les réseaux sociaux. Il a son Facebook, mais il ne fait rien. Il aime la vie, il aime faire la fête. Ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas amener tout le monde. On n'a pas peur de Camerounais. En tout cas, chez vous là-bas en Belgique, ici en France, nous, on n'a pas peur de Camerounais. Ici en France, nous, on n'a pas peur de Camerounais. Regardez tous les désordres que nous tous sommes faits ici en France. On a apporté nos amis sur Meta. Vous avez vu nos amis, bon, inversons les rôles. Vous avez déjà vu les amis de Flore dans la vie réelle, pas la vie des réseaux sociaux. Les vrais amis de Flore ou les vrais amis de Nuno dans sa ville de Reims ou dans sa ville de Paris. Amenez le nom de Nuno sur Facebook ou de compresser dans la vraie vie réelle. Amenez ou compresser les amis sur Facebook. Non. Chez vous là-bas, vous êtes là tous avec les faux profils. Il faut toujours avoir les balles sur l'autre. Il y a tout l'autre qui a les quatre lettres. L'autre a fait le congolais de moi que l'autre est parti me saquer. Vous êtes de ces durs cancans mots. Il est parti me saquer. Il est parti parler de moi là-bas. Il m'a saboté. Vous êtes au village, maman. Et fais un coup de gueule parce que moi, mon frère, te voit là dans les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas d'accord. Et puis, c'est quoi ces bagarres-là? Vous savez quoi, c'est le village seulement chez vous, maman? L'autre, si vous entendez les problèmes, l'autre est parti me saquer, il m'a saboté. L'autre est parti me saquer, il avait couché mon gars, mon ex et tout. C'est quoi ces problèmes-là? Je n'ai plus envie de vous voir faire ça. Honnêtement, je n'ai plus envie de vous voir faire ça. Moi, je vous dis ça honnêtement, ce n'est pas mon cas, c'est la vérité. Parce que regardez comment, même en peu de temps, moi, je suis en train de coder beaucoup de choses. Oh, tel pin avec l'autre, l'autre, ça, et l'autre, ça ne m'intéresse pas. Mais on est dans quel monde même là-bas, chez vous là-bas? Vous prenez la phrase ici encore, on nous, il n'y a que nos têtes sur Meta. À part nos têtes là, nos amis, vous avez vu mes amis sur Meta. Je ne vais pas vous donner tous les noms de mes amis, ils ne vont jamais même mettre un poste. Déjà même mes directs, même quand ils passent dans mes directs là, ils ne comprennent rien. C'est que oui, je suis Ténébrita, ils ne connaissent même pas ce que c'est Ténébrita. Il faut arrêter ça. Après demain, l'autre, il y a encore les problèmes demain. Oh, comme j'ai piné avec l'autre, il est parti piné avec l'autre. Et après, l'autre a piné avec. Vous avez quitté de Atangana à Teba, à Teba, à Kamonye, Kamonye à Ntcha, Ntcha à Manga, Manga. Toujours les noms camerounais autour de vous, alors que vous êtes dans les petites villes. Moi, encore, je peux même venir encore faire les boines chez vous. Je ne peux pas encore venir à mariage à Charleroi. Parce que de là-bas, moi, je ne vis pas là-bas. Je ne dis pas que vous voulez faire. Vous pouvez venir peut-être faire les douanes aussi à Paris, là-bas, ou même vous partez même, à, je ne sais pas moi, vous partez au Luxembourg, ou bien, je ne sais pas moi, les pays à côté, c'est quoi, la France, le Luxembourg et la Belgique. Vous pouvez aller faire les douanes même en Allemagne. Ou alors même dans la même Belgique, là, vous partez, si je suis à Charleroi, je pense que c'est une personne qui n'est pas le camp, qui ne me connaît pas, qui habite peut-être même à Manche. Mais lui, si ce n'est que les camps que j'aime, je pense que c'est une personne, même pas cam même, parce que quand tu as sur les réseaux, pas cam, les cam non, quand tu as connu non, je lui déconseille. Adouna a les jambes, maman Adouna a couru. Maman, à cause de ça. Tout se passe toujours au milieu, comme au Cameroun. L'autre m'a saqué, l'autre est parti sauter mon ex, il est parti m'expliquer, l'autre a dit ça c'est moi, hein. Les trucs qu'on a fait il y a peut-être en arrière. Il y a peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Non, Adouna, lui, il n'est pas quelqu'un qui va venir peut-être les mamans des gens. Adouna va peut-être venir peut-être
montré ses histoires de sa vie de King Royal, la chaise royale, les ruinards, les propriétaires des villas, montré les habits des habits, qui s'habille bien, les articles, ceci, sa vie à lui, quoi. Peut-être le Congo, ça, oui. Mais tout le monde fait le Congo, ça. Et même. Mais même. Franchement. Vous êtes une petite communauté. Dans un village. Bah, moi, Charleroi, c'est même pas ma ville. Même. Ma ville est plus grande que Charleroi. Parce que dans mon code postal, il y a au moins 15 villes qui portent le même code postal, mais ils dépendent de ma ville. Moi, je ne vous comprends plus. Il faut arrêter, aller faire des trucs loin. Aller faire les bivouacs loin. Oh, tel a dit, l'autre n'a pas dit, le problème, il est où? Tu as parlé, et alors, ça fait quoi? Vous couchez même quoi entre vous? Vous couchez même pas. Allez chercher, regardez ma cible. Je peux piner avec toujours des nids. C'est mon appétit, bébé, ou dans les trucs camerounais, les trucs africains, pardon. Mais tu ne vas jamais voir Balata être avec les gens qui viennent du pays comme lui. Qu'est-ce du pays avec la mentalité que oui, l'autre, c'est le genre que tu peux marcher à l'eau, mais tu ne peux même pas toucher un des Camerounais là-bas. Tu as peur. Alors, bloque-moi la tête de moi, s'il te plaît. Ma tout. Bloque-moi la tête de moi. Bloque-moi la tête de moi, là, s'il te plaît. Bloque-moi ça. Bloque-moi la tête de moi, là. Bloque-moi. Ça, parce qu'il va venir faire les manioc ici chez qui. Bloque-moi ça. Moi, le moi, ça me fait mal au cœur que je vois les photos de Rodrigue défiler partout. Ce gars-là ne dérange pas les gens. Bonsoir, cela m'a faux. Il ne dérange pas les gens. Rodrigue ne dérange pas les gens. Ces photos font quoi dans les réseaux sociaux? La personne même qui filme même était avec vous, il a bien avec vous. Il s'est mis à l'écart pour avoir les balles. Une ville de faux profils. Moi, si, bon, ma danger. Non, au moins, on ne connaît pas les choses de Nibaki. On ne connaît pas mal les choses de Nibaki. Ne viens pas me dire, bon, ma danger. Ne venez pas me dire ce qui n'est pas. Non. Si vous suivez bien Balata, Balata est dans son coin. Quand je suis à Reims, à Rouen, je m'avais pas dit, je m'avais dit à l'ambassade, de pas, il m'avait chez Anne, de temps en temps. Mais à Rouen, même beaucoup de gens venaient plus chez moi parce que j'aimais beaucoup cuisiner. Apparaît alors la fatigue même. Je suis tout dans mon canapé rouge. Bonjour Boma. Je suis toujours sur mon canapé rouge. Je sors même. Quand mes amis même viennent même. Même moi, vous avez dit que nous sommes mes deux amis sont venus. Ouais, vous avez dit que même mes deux amis sont venus. C'est un entier et un arabe né ici. Et ma famille sont partis. Et on est resté là-bas. Moi, j'ai des amis qui n'ont rien à voir avec le Japon. Parce que moi, si vous remarquez comment elle fonctionne, je ne connais pas moi les choses de. Les trucs de vouloir prendre les balles chez quelqu'un pour faire du sale. Jamais, je ne connais pas ça. Pourquoi un peu la parole, mais faites tellement. Je ne connais pas ça. Parce que ma copine ici qui a un faux profil, moi, je connais mes copines. Elles ont un faux profil. Mais je viens chez elle tout le temps. Elle vient chez moi de temps en temps. Mais moi, je viens chez elle. Elle est assise. Mais je ne suis pas là pour rôder derrière elle. C'est comme moi, Adouna m'a expliqué pour ma danger. Et dit tout comment m'a expliqué. Parce que moi, les affaires, j'avais un faux dos. Moi, je n'aime pas voir les gens, les jeunes qui sont comme ça. Nibaki là-bas, il est jeune et dynamique. Adouna, jeune, dynamique. Mais c'est Rodrigue même encore que sa photo là me fait encore mal au cœur. Il bagarre même quoi. Et puis la personne même qui filme, tu filmes même quoi là-bas. Tout ça pour humilier les mêmes personnes que vous avez vu. Je vous dis que la Belgique est. Si vous parlez du Cameroun, la Belgique est comme le Cameroun, maman. La mentalité des Camerounais de Belgique est, maman, la Balata. Nous, encore ici, on parle, mais tu vois, tu nous vois dans les conneries, là. Adouna m'a dit que ils savaient qu'ils sont allés en boîte de nuit. Et arrivé en boîte de nuit, comme lui, vous savez qu'il aime bien les fêtes, les boîtes de nuit, les DJ l'appelaient son nom que Adolina. Et du coup, Nibakin et mon ami, qu'on est parti même exposer, ce qui me fait même mal au cœur. Nibakin et Rodrigue,
on commence à aller voir le Didier, le nagué, le nagué. Mais il savait que Rodrigue a giflé dehors la sortie. Adrien avait parti à sa voiture. Rodrigue l'a giflé sur la nuque. Et directement, Adrien a eu le réflexe aussi. Bam! C'est la première bagarre. Et il paraît que Nibatina, Adrien a mis Rodrigue par terre. Et donc maintenant, Nibatina, en voulant venir séparer, ça c'est la version qu'Adrien m'a donnée. En voulant venir séparer, il voulait séparer les gens qui voulaient qu'on. On tape Adolina. Qu'on tape Adolina. Mettez les cœurs aussi. Je suis là pour parler comme un fou. Vous ne mettez pas les étoiles, vous ne mettez pas les cœurs. On doit vous supplier, mamie. Donc, Nibakine, donc, voulait venir séparer. D'après Adolina, voulait faire semblant de séparer. Maintenant, séparer, il voulait que Adolina, il tord les mains d'Adolina comme ça, qu'on dise dose Adolina. Nibakine, donc, âge de ma cour. Tu sais comme vous balata. Donc maintenant, de temps, il s'est levé et Adrien a dit qu'il voulait, il avait peur que, bon, ça c'est les détails des conneries, mais il avait peur que l'autre le morde et tout. Et l'autre aussi a dit que, oh, tu as mis les 4 lettres aussi, non? Et maintenant, c'est là qu'Adrien a dit que, mais attends, dans les histoires qu'on passe sur Facebook, j'ai les 4 lettres et tout, tu comprends que j'ai les 4 lettres. Brouh. Donc c'est là qu'Adrien a donc couru. Il est donc venu alors maintenant donner hypercute encore. Poum, poum. Maintenant, Adrien, Nibakine voulait séparer, il a aussi donné un hypercute à Nibakine. Pou! Voilà la version du bagarre. Ma copine est témoin ici. Voici la version du bagarreur. Donc après, bon, c'est tellement ridicule même de parler de ça. C'est ridicule. C'est ridicule même. Vous bagarrez quoi même? On a dit que l'autre est parti monter, l'autre a dragué mon gars. Et puis l'autre, c'est quoi ces choses-là, dama? On est dans quel monde là? Vous êtes sûr que vous êtes en Europe? Nous, on fait notre truc ici. On raconte les conneries sur Meta. Vous avez vu les amis de Balata. Je vais les voir là le 13. On doit partir. On doit se faire un restaurant et aller sur Paris. Bon, ben, j'aime bien voir est-ce qu'on doit se retrouver même là-bas, même sur Châtelet et tout. On va aller prendre. Mes amis ne connaissent même pas le Njapa. Maman, tu me parles, tu me demandes à moi. Je vais à Charleroi, maman, bon, ma danger. Je connais, mamie. Je ne connais pas. J'entends toujours les trucs là-bas. Même de, et c'est ma copine, c'est une balatoise qui m'appelle. Vers les 10h30, elle me dit que Balata, donc ton camarade qui a donné la force comme ça, elle me confirme donc qu'il y a vraiment eu bastonnade. C'est une balatoise. Mais pas sur le mur de Claude Camino. Pas sur le mur de Claude Camino. C'est même pas qu'on discute Rodrigue, c'est juste que moi ça me fait mal. Comment Claude Camino a eu vu les photos de Rodrigue rapidement? Si vraiment il n'est pas quelqu'un de Charleroi, ou si quelqu'un de Charleroi n'est pas parti, il faut profiter pour l'écrit inbox. Comment est-ce que Claude Akam, Rodrigue Soba, fait très attention? Laura Lordandez, merci. Rodrigue Soba, fait très attention. Comment est-ce que, même pas, c'est hier soir que j'ai su par Warriors que Nibakine. Ah, il y a eu la bagarre avec Nibakine et les autres là-bas. Je ne sais pas le nom de Rodrigue Somba. Merci Laura. Je ne sais pas. Mettez aussi les étoiles, non? Voilà une. Voilà. Laura Lolandès qui est là. Elle a grandi. Elle a fait l'école avec moi et Adolina. Elle connaît très bien chez les Adolina. Laura Lolandès, là, c'est une camarade de classe à moi. Quand on dit que vous êtes une camarade de classe à l'eau, merci Laura. Tu peux m'appeler pour venir intervenir. Voilà, elle a grandi. Elle connaît très bien Adolina. Adolina, c'est mon camarade de classe. Voilà Laura qui veut que bombarder les étoiles, merci. Les Solange Mafo, les bombardements sont là pour faire le Njapap. Merci. Merci, Laura Lolandès. Elle veut que le Njapap. Vous faites tout le Njapap. Même pas une étoile, merci Laura. Tu peux appeler même. Hein. Laisse comme ça, tu vas finir ta carte bleue, mamie. Tu as les enfants. Laisse comme ça, Laura. Tu as les enfants. Tu veux que bombarder les. Que bombarder les étoiles. Laura, Adama, il faut quand même mettre les étoiles. Ok, ok, voilà, je vous vois, c'est ma commande. Merci Nadine, Anastasie Brown, merci, oh, je suis à 1080. Maman, 10,80€, ça va. Maman, ça fait que monter. Tommy Chou, regarde ta mania. Ma camarade est classe en train de mettre des trucs. Les riches sont en train de laisser les 500 étoiles. Merci, mon badanger. Elle est déjà papa. Oui, Rodrigue s'est marié. Rodrigue s'est marié, mais Rodrigue a sa concubine à côté qui est Cam. Merci, oh, les milliardaires. Tommy Chou, tu as vu.
Non, mais sérieusement, vous pouvez appeler. Attends, je vais prendre la carte bleue de mon client. Cela m'a faux. Mais partagez le direct. Non, moi, je ne suis pas quand même content. Il m'a laissé 20%. Il m'avait même là où il y a souvent. Je te guette, hein. Je te guette très bien. Tu crois que quand il fait le direct, ça veut doubler. Merci. Non, même moi. Merci, oh. Eh, eh. Non, Laura, vous pouvez appeler. Celui qui va appeler, appelle honnêtement. Il faut quand même qu'on donne les conseils. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Merci beaucoup, Laura. Attends, Yango. Maman, tu sais que tu es bungalow aussi. Attendez, merci. Carole, Belinga, coucou. Attends. Moi, non, mais c'est moi la star. Tu me commandes parce que tu as signé rentre chez moi. Tu as un invité de marque. Parce que tu m'as donné un petit studio que j'avais parlé mal. C'est ma co. Non, sérieusement, vous pouvez appeler si vous voulez. Hé, hey, Laura, tu peux me pomper. Laura, laisse les étoiles comme ça aussi. Tu as les enfants. C'est ma camarade de classe aussi. Nous, on est les camarades de classe. Adouna, c'est ma camarade de classe. Adouna, c'est ma camarade de classe. Laura, c'est ma camarade de classe. Si vous voulez connaître qui est Balata, écrivez à Laura l'Hollandaise. Elle vient en Hollande. Elle est avant en France. Ouais. Abonnez-vous à ma page, Avoiriste Tim Blanchot officiel. Abonnez-vous, ne venez pas sans me regarder les gros yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Donc, tous le 9 décembre, non? Écrivez le 9 décembre chez Fleur de Lys, c'est ma Yamse. C'est ma Yamse, moi, je suis son Yamfrère. Ma lumière, on parle tous là-bas. Nous tous venons par Adeline, allons chez Fleur. Si vous voulez, vous venez chez moi avec les Rodrigues, vous tous venez chez moi. Je vais vous faire le bouillon, même si vous voulez, avec les Libakim, vous venez, venez encore me filmer, mais m'en fiche. Si vous voulez, vous venez, vous faites le bouillon. Non, moi, j'ai. J'ai arrêté l'école en 5e au Cameroun. Pas que j'ai arrêté, mais je suis parti en France, j'étais en 5e, moi. Moi, j'étais en 5e qui était au Cameroun. Elle va vous dire, Laura est là. Moi, je suis parti, Laura, tu peux pas appeler. Hein? Jamais. Laura et moi, on s'est séparés en 5e au Cameroun. C'est quoi même? C'est mon Japon. Le faux profil, c'est. Il faut que Dandine a peur qu'on la voie. Faux profil. Ma grosse a un faux profil, Chivadi à Bobo. Elle a peur qu'on la voie. Merci beaucoup. Non, mais sérieusement, tu peux appeler Laura si tu veux, à moins que tu travailles. C'est ma camarade. Hey, Laura, tu peux me pomper les étoiles, Adama. Sérieusement. Adouna, franchement, je ne vais plus te voir bagarrer. Merci beaucoup, Laura. Laura, arrête comme ça, s'il te plaît. Bon, Madanger, toi, tu as un vrai profil. Tu m'as traumatisé au début, hein. Maman, bon, Madanger m'avait insulté dans un. Maman, c'était chez qui même? Bon, Madanger m'avait lavé là-bas. Il était encore balade. C'était encore quoi, maman? La cuisine de ça, maman. La nourriture, les Ndomba quoi. Elle m'avait lavé. Ça m'a touché. J'ai dit que. Nadine Brown, merci. Maman, je suis à 2610 étoiles. Oh, étoile, étoile, et comme un namongoy. Mon bandage m'avait lavé, maman. C'est que les abeilles, si, je te jure que moi, pour que tu puisses avoir le diang, c'est parler comme ça. Il faut d'abord les affronter. Ils vont te laver, Nahora. Ils te lavent. Maintenant, quand tu les bloques, tu n'entends pas. Non, des blocs m'assistent tout. Mettez les cœurs. Tu n'entends pas. Non, des blocs m'assistent tout. Des blocs, alors que c'est la même Bouman Danger, elle peut-être peut-être le nom de Solange Mafou, il prend l'exemple. Bonjour, bonjour, Bouman Danger, tu la débloques, c'est une incompréhension. Ils sont là, sont très stratèges. C'est ce qu'ils font. Ils t'ont installé aujourd'hui. Adon la bagarre avec Rodrigue et Nivakin. Donc, c'était plus Rodrigue et Nivakin, d'après les dits d'Adulina. Nivakin voulait séparer, puis le CIU, ça pas dipercute. Donc, ça, c'est ce que je connais. J'entends. Bonjour, Balata, non, de plus moment danger. Oui, parce qu'elle t'aime beaucoup. Ils attendent que un mois et demi passe pour que tu oublies qu'elle t'a insulté. Alors que moi, on insulte, on ne bloque pas pour rien. Non, pardon. C'est le facteur. Non, pardon. C'est le facteur. C'est le facteur. C'est qui? Pardon, débloque Solange Mafou. Attends, mais tu le fais pas.
avant. Je vous donne pardon, même si vous êtes fils. Pour que je vous donne à distance. Après, ils vont sur leur fils, en fait. C'est un couple, ils vont sur leur fils. D'accord? Ok. Ils vont sur leur fils. C'est un couple, donc du coup, leur fils, je ne sais pas ce qui se passe. Non, c'est les couples français. Leur fils n'est pas là. Ils veulent monter, mais ils ne connaissent pas le code de la Balata. Tu entends? Bonjour, Balata. Malata. Tu sais qu'un moment d'arranger, c'est ta copine, non? Elle t'aime beaucoup, Balata. Elle t'aime trop. Tu l'as bloqué. C'est ma sistou, c'est ta sistou. Elle est balatoise, alors qu'elle n'est pas balatoise. Hein. Débloque. Après, tu dis que, mais, vous faites comme elle dit que débloque. Je l'ai bloqué, pourquoi? Non, Balata, non, non, est-ce qu'il y avait une compréhension? Tu n'as pas bien lu le... Ah, bof, les faux profils, ici. Pas bien lu. Tu n'avais pas bien lu le commentaire. Elle était de ton côté, alors qu'elle t'avait y a bien insulté. Moi, je l'ai débloqué, même si quelqu'un me dit encore que débloque ma histoire. Ouais. C'est ça, hein? Oh, bah, non, c'est une balatoise. Alors là, tout le monde est à balatoise quand tu veux qu'on te débloque. Non, tu n'as pas vu le comment. Maintenant, je ne débloque plus parce que vous m'avez trop eu. Moi, ça ne marche plus. Des fois, quelqu'un même fait un faux profil, mais quand même, tu vois que les faux profils sont activés. Non, 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 moi, je bloque. On doit supporter. Maman, tu m'avais lavé. J'étais encore à la cuisine, je ne connaissais pas encore. Je connaissais mes terres. J'étais encore là-bas à Malakoff. Maman, mon mandager m'avait insulté sans me connaître. Je sais que je sais que la fille c'était qui, ou c'est un homme, ou c'est une fille, ou. T'as mou fait imbécile. Elle m'insultait, c'était chez Flore. C'est chez Flore qu'elles sont souvent fortes. C'était chez Flore de Lille. Elle m'avait insulté. Maman, moi, je ne sais pas laisser faire, si on partait la bloquer, n'a beau. Après, t'en dis, oh, débloque l'autre. Ouais, c'est tout. Les abeilles, alors, sont les champions, peut-être. En fait, pour être balata, je vous dis d'abord, vous qui venez commencer à faire le blog, là. Attention, les abeilles vont vous piquer au début. Hein. Comme ça va là maintenant qu'avec moi, dès qu'il me met, allez, tu mets la tête de moi, je te bloque. Tu commentes moi, je te bloque. Donc, mieux, tu écoutes seulement. Dictatoria. C'est comme ça. Moi, je ne joue plus. Ouais, pardon. Et tu te rappelles l'autre jour, non? Eh, voilà ta. Maman, tu essayes pas que les abeilles sont le numéro un pour ça. Hein, pour venir plaider les causes des autres. Les autres aussi plaident, mais plus les abeilles. Parce que c'est les abeilles qui aiment trop insulter. Oh. Balata, Balata, pardon, bonjour. Tu manges quoi, ta nourriture est bonne, hein? Je salive, Balata, t'aimes trop l'hypocrisie de ça. L'hypocrisie de ça. Balata, Balata, j'aime ta nourriture, hey, ta robe là, te va bien. Alors, ok, c'est elle-même, hein, ou bien c'est sa quota, ça c'est tout qu'elle est partie écrit inbox. Tu sais que tu as bloqué, il y a quoi qui même? Claude Akam, admettons, Claude Akam, non? Non, il est, non, c'est que lui, il parle beaucoup Ngumba, alors qu'il a constaté dans les commentaires que. Il écrit sur Ngumba chez moi. Il parlait bien Ngumba, c'est ton frère du côté Ngumba. Il fallait débloquer, non? Non, non, il t'aime beaucoup. Non, non. Il m'a dit que franchement, et ils inventent les choses dans les commentaires pour sauver leur peau. Oh non, il m'a dit personnellement qu'il n'a rien contre toi, qu'il t'aime beaucoup, Balata. Mais tu n'as pas compris le sens de son commentaire. Le mensonge de ça. Non, les abeilles, si tu ne les corriges pas comme moi, c'est moi, hein, maman. Ouais, elle bloque. Et c'est même ça la meilleure solution. Tu bloques seulement là-bas, là, t'as une place. Mieux, tu m'écoutes, tu digères, tu vas m'insulter ailleurs, c'est ton problème. Oui. Tu entends bonjour. Je suis bonjour. Bonjour. Ils oublient. Hein. Maman, les abeilles. Oh, maman. Je vous dis que ceux qui veulent devenir blogueurs, vous avez mis la chance que les abeilles sont calmées. Les abeilles m'ont piqué, c'est la twist, 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 twist. Tu fais ton direct, oh, ils voient les remarques sur toi. Ils viennent t'expliquer comment on ne connaissait même pas Meta. Bon, je connaissais Meta, mais j'avais du mal à être méchant. Je voulais, et puis je ne sais pas être méchant. Vous voyez là, je vis le problème là, dans la rigolade, dans l'humour. Mais les abeilles, hein, twist, 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 twist. Ils vont chercher une petite bête pour te faire ça, Dieu, sur Meta. Mais quand tu les as, quand eux vous ont déjà mis en combat, hein, et qu'eux-mêmes comprennent qu'ici, à l'adversaire, maman, mieux, hein, ils laissent tomber. Même quand une demesse qui vient faire l'aide manioc là pour venir, qui ont m'insulter. Je les bloque là, maintenant, là. Je les bloque là, maintenant. Maman, les abeilles.
Et les abeilles avaient un système que c'est vrai, je marche sur le stylo. Là, l'argent, même, tu m'insultes pas, tu me donnes l'argent, gars, ton âme empoisonné. Tu as insulté qui pour me donner l'argent? Elle dit qu'elle les abeilles, maintenant, c'est quand vous voyez comment elle marche avec le stylo et la feuille. Ils sont souvent forts chez leur reine-mère. Maman, c'est chez Fleur de Lys que tu confirmes que les abeilles te. Avant, les abeilles, mamie, c'est chez. Disais, ils viennent d'abord à ta part, d'abord te tester. Maintenant qu'elles te testent comme ça, après, ils faisaient son semblant de venir dans ta jeu. Coucou, on mange quoi? Oh, coucou, c'est comment? Ils sont gentils et tout, mais quand tu tombes chez Mafo, à l'époque, si tu mets ton commentaire là-bas, maman, les abeilles, comme c'est chez leur reine-mère, donc tu ne peux pas les bloquer là-bas. Donc, moi, j'avais un système qui marchait toi avec le stylo. Donc, j'écris souvent les noms. Si elle vous fait les captures d'écran, c'est ce que j'ai à bloquer. On t'insultait. On t'insulte. Toi, tu dis que maman. Mais au fond, quand même, les abeilles ne mentent pas. C'est des personnes sont super gentilles. Ils aiment amuser la galerie, mais ils sont gentils. Les abeilles m'ont beaucoup aidé quand même. Sans ce côté, je ne vais pas vouloir les abeilles. Je ne suis pas abeillon ou abeille, mais les abeilles m'ont beaucoup aidé quand même. Moi, j'ai toujours venu dire que j'avais besoin d'aide. Je suis venu dire que j'avais besoin d'aide. Je compte sur vous. Envoyez-moi l'argent pour que je ne te réserve la table de 1500 euros chez Warus. Vous savez bien qu'il y a les rentrées, mes petits frères dehors. Et aussi, j'ai aussi le deuil. Vous savez que j'ai deuil. Je ne peux pas donner l'argent à la main. Il faut cotiser. J'ai mis à dire à Flo. J'ai dit à Flo que dès qu'il prend les enveloppes chez les Balata, je vais aller lui donner pour qu'on réserve la table. Donc, je compte sur vous. Vous m'écrivez Messenger. Je vous envoie tous mes coordonnées et mon numéro de téléphone. Si vous voulez, vous avez tout ça sur toutes les pages. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Il faut que j'aille donner à Flo l'argent là. Ce n'est pas pour manger l'argent de Flo. Non, non, non. C'est pour partir, j'y serai, non. Mais vous savez que moi, je suis seul. J'ai trop de responsabilités. Seul comme ça là. Voilà le deuil de ma cousine. Là. Ma mère m'appelle tout le temps. Ma cousine est morte hier. Et du coup, il y a encore les rentrées de mes frères, donc c'est pas facile pour Balata. J'ai bien envie d'aller, mais il faut quand même faire les priorités. Le deuil, les écoles. Mais j'ai bien envie d'aller, mais puis me gratte. Jacob, que devenir par les banques Facebook, viens m'écrire inbox. Tu m'envoies la pour que pas te donner, j'y serai. Il faut que j'aille quand même soutenir Fleur de Lys avec la hand de ces gens, même sans ces abeilles. Moi, je prends pas, je vais pas représenter aussi les Balata. Pour éviter que Balata soit au chaval, parce que moi j'ai les responsabilités. Voilà, septembre qui est dehors là. Il y a les rentrées. J'ai trois personnes à envoyer à l'école. Il faut les nourrir. Voilà encore le deuil qui est dehors. Et c'est ma cousine directe. Ses enfants n'ont pas l'argent. Et c'est dessus quoi? C'est la soeur de ma mère. C'est son enfant qui est morte. Il faut que ma mère aille maintenant aussi faire le deuil de sa fille, comme d'autres, comme ses deux autres soeurs vont aller faire. Ça, c'est les gros trucs. Hein. C'est les gros envois pour une personne qui est seule. Il faut aussi manger encore le poulet brisé. Maman, moi c'est. J'espère que je n'aurai pas la crise cardiaque avant le temps. Mais bon, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Donc, je mets mon numéro de téléphone. Parce que vous me fatiguez déjà. Des fois, ils me donnent souvent les abeilles ici. Mais j'ai envie qu'ils me donnent parce que je ne peux pas faire deux choses à la fois. Comme je n'ai pas donné à Flo directement. J'ai peur que octobre arrive et puis je ne pourrai pas prendre la table. Moi, mes pieds me grattent. 2625. Si vous voulez, on parle ensemble même. Voilà mon numéro que je mets. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Moi, je parle à tout le monde. Moi, je n'affiche personne. Oh. Moi, je n'affiche personne. Comme ça, je m'avais. Voilà mon numéro. Vous m'appelez sur WhatsApp. Si vous voulez, même mon RIB bancaire, je peux vous donner. Si vous voulez, mon nom pour envoyer l'argent. Moi, je vous donne tout. Au moins, je m'en fous. Non, j'ai des frères, non. Tu sais que j'ai des frères. Et puis j'ai perdu ma cousine. Non, non, seulement c'est vrai. J'ai perdu ma cousine et ma mère, il faut que je donne l'argent à ma mère pour qu'elle aille. Parce que c'est sa fille aussi. Oh. Et la mère de ma cousine était à morte. Donc du coup, il faut que. Bon. Elles sont trois faire le deux. Ma mère, elle-même, là, quoi. Si c'est pas balader sa fille, tu envoies un peu. Mais quand c'est les gros, tu vois, ils pouvaient prendre sous mon dos parce que ma soeur aussi, ses enfants passaient par là. Je vous dis. Après aussi le deuil, donc moi j'ai les priorités, hein. Moi j'ai les priorités dans ma vie, hein. J'ai deuil, vous ne dites même pas mes condoléances.
Balata envoie aussi l'argent pour moi, pour que je fasse payer. Même pas les condoléances. Vous venez écouter le Japon. Quelqu'un a perdu sa cousine directe. La cadette, deux mères sont des sœurs. Vous ne dites même pas mes condoléances. Balata, mes condoléances, sois fort. Vous venez, vous voulez vous amuser sur le direct de qui? Jacob, tu vas finir par dégager mon mur, qui aide aussi les abeilles. Je vous ai appelé chez moi, c'est pour venir m'aider. J'ai dit que c'est qui veut m'aider, mais ne viens pas gâter, c'est pour ma foi. Hein. C'est le direct de ta ma foi. Hein. C'est une publicité qui est faite aussi. Hein. Je prends tous les japas, mais je fais la publicité que le 9 décembre. Ça dit juste qui aide aussi les abeilles. Vous êtes là pour aider les qui? Vous n'avez pas les faux profils. Allez, bon, dans ce cas-là, hein, si je n'ai pas l'argent, je n'irai pas. Moi, je voulais taper un tailleur. Nadine, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Solange Bafo. Je vais taper un jamais important tout à l'heure, même si c'est les salamandres, je m'en fiche. C'est toujours ça qui est ça. En tout cas, je vous aime, écoute. Je vous adore, merci d'être là. Et je vais dire à Nirakine et aux autres là que, et à Adouina, que arrêtez votre spectacle, ce n'est pas bon. Arrêtez comme ça, laissez comme ça. Et puis, entourez-vous bien, ça ne sert à rien de vous verser comme ça sur les réseaux sociaux. Même quand tu es avec Nivakine, on n'a jamais eu à se bagarrer et tout ça. Non. Et puis, même, et puis on n'avait pas les Camerounais autour de nous comme ça. Zenabou, merci. Au moins, il y a un qui me dit, Jacob, septembre, tu es très, très nuisible. Tu es comme français, vrai. Je te laisse, ma. Ou pas, ou. Vous êtes mal nuisible souvent. Donc, bon. Bisous, les côtés, il faut que j'aille faire manger. Eh, Jacob, merci, j'ai deux maman. Et quand il pense à quoi que ma mère me dit que ma mère me dit que oh, le corps est à la manque. Il faut que j'envoie l'argent à ma mère pour le deuil. Et en même temps, je dois payer l'école à mes frères. Maman, Sarah, balata lui seul. Ça va aller. Dieu est grand. Dieu est grand, oh, Dieu est grand et merveilleux. Tu sais, bisous. Je vous aime. Bisous à la prochaine.